Le marcottage d'un pommier, ce n'est pas l'opération la plus fréquente, car si pour le figuier ça fonctionne très très bien, tenter de mettre en terre une branche de pommier, pommier jaune à gold, celui-ci, ce n'est pas s'assurer d'un résultat rapide. Et surtout, ce n'est pas pratique. Et j'ai posé deux parpaings plus deux pots l'un sur l'autre. Il était temps que ça réussisse car, comme vous voyez, mon pot s'est craqué. Et après une dizaine d'années, oui, il ne faut pas être pressé avec le pommier. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Vous voyez, j'ai des racines et je vais pouvoir couper. Puisque vous voyez, on est en mars et il est bien temps. Donc j'avais un tout petit peu gratté à plusieurs endroits où j'avais mis en terre dans ce pot, et chaque année ou tous les 2-3 ans je regardais dans quel état c'était, et il y a 2 ans j'ai vu une petite racine se former, et voilà, on est en 2022, oui je pense que ça fait bien une dizaine d'années que j'avais essayé de marcotter ce pommier et d'autres. Je vous montrerai également un cerisier qui a réussi. Si, si, après je ne sais pas ce que cela va donner. Est-ce que vous avez déjà essayé? Pour moi, c'était une tentative depuis que j'ai des arbres. Donc ça fait plusieurs décennies et j'y suis enfin parvenu en réussissant à prendre une branche qui tournait vers le bas. Et en la surélevant, vous voyez, comme je vous l'ai dit, avec des parpaings. Et oui, il suffit de mettre deux parpaings l'un sur l'autre, plus deux pots, et on arrive à la hauteur d'une branche. Ici, mon cucon quercy blanc, où, comme vous le voyez, on essaye de faire des tentatives. Je ne sais pas qui un jour mangera des pommes de cette petite branche, mais pour le cerisier c'est beaucoup plus intéressant. On voit ça dans une autre vidéo. Et quelques minutes plus tard, après avoir laissé tremper dans l'eau, on place, enfin je place, pourquoi dire, cette branche, ce futur pommier, dans un mélange de vieux fumier et de terreau. Oui, il existe du vieux fumier à mon cuc en quercy blanc. Je vais ajouter du terreau. Je peux même mettre un petit peu de fumier avec. J'ai ajouté également dans le fond des orties. Et il faut toujours avoir un peu d'orties chez soi. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver parfois sur les bordées de route. Et si vous n'avez pas de fleurs à offrir à vos élus, pensez à leur offrir justement un peu d'ortie. On peut faire de la soupe avec. Alors précisant, on peut faire de la soupe avec les orties. Naturellement, je vais ajouter de l'eau. Et je pense que cette branche pourra vivre dans ce pot durant quelques années. Oui, je n'ai pas été pressé pour obtenir cette bouture, et je pense qu'il ne faut pas être non plus pour attendre des pommes. Donc voilà, pour moi c'est la première fois, donc j'attends aussi vos commentaires. Avez-vous déjà essayé? Donc le tout a été fait sans hormones de bouturage. Oui, sinon c'est un peu triché, non? Après mon sixième roman, la sortie du septième.